Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pêche du bar. On va essayer de faire du poisson en surface. Donc là je suis sur un petit spot, mais l'eau est vraiment très lisse. Donc souvent quand c'est comme ça, c'est pas vraiment bien parce que les poissons sont vraiment ultra méfiants. Ou alors je vais essayer de les déclencher en buzzing, parce que je vais essayer de les viser en surface. Donc je vais commencer au stick bait, pachinko, asturie. Peut-être descendre au poisson nageur, mais avant de descendre au poisson nageur, la stratégie ça va être si je vois que j'ai pas trop de résultats au leur dur avec des billes, je vais essayer de mettre un petit jackshad en buzzing ou autre leur, peu importe. Mais voilà, essayer de passer en buzzing pour voir si des vibrations plus discrètes en surface pourra les décider. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec les images et j'espère que je vais faire du poisson. En tout cas, les conditions ont l'air pas mal. On est mi-octobre, on est le 10 octobre, donc on est en fin de saison. Il doit y avoir du gros poisson qui traîne, faut les trouver. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Je vais commencer avec un pachinko 125 coloris Ghosty Washi. Voilà, il y a un peu de soleil, un peu de nuages. J'aime bien ce coloris là. Maintenant, il faut qu'il se fasse déboîter par un gros pépère en surface. Poisson. Wow. Explosé. Explosé le leurre. Explosé. Le leurre il est tombé. J'ai tourné la tête. Et là je vois un bouillon derrière le leurre. Enfin un suivi quoi. Puis après là il vient de l'exploser en surface. Ça a pas l'air d'être dégueulasse en plus. Ça a pas l'air vraiment d'être dégueulasse. Oh, direct. Ah non, ça va, c'est correct en surface. C'est un poisson qui fait 45. Voilà. Un petit poisson bien sympathique. Bon, c'est un poisson qui fait même pas 50. Il doit faire aller son petit 45. En tout cas, c'est maillé, ça fait plaisir. Trio avec le pachinko. Voilà, deuxième lancé. Je lance. Je vois un bouillon derrière le leurre. C'était pas une attaque encore, et c'est ensuite qu'il a attaqué. Mais en fait j'ai dû lancer, ça a dû l'exciter, et il a dû attaquer plutôt par réflexe avec les billes qu'il y a dans le pachinko. Ça fait plaisir. Et voilà, avec le petit pachinko 125 Ghosty Washi. Bon, pour l'instant la stratégie elle est payante. La stratégie du hors surface bruiteur. On va continuer, puis on va voir si c'est toujours le cas, sinon on passera sur du buzzing. C'est parti. Par là mon gars. C'est direct quand le leurre est tombé dans l'eau. On va revoir la fibre pour une attaque. Attention. Poisson. Il a lâché. Ils sont vraiment là-bas. C'est vraiment au loin. Il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière, les gars. Oh là 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 là, je me fais exploser, les gars. Je sais pas si vous voyez ça, c'est magnifique. Encore. Il y a du monde derrière. Puis en plus, c'est les poissons corrects. Hein. C'est des poissons maillés à partir de 40-45, je pense. Vu la taille des attaques. Oh, c'est magnifique. On va revoir si je refais un passage, ça marche. On lance le plus loin possible. On anime. Ouais, j'ai pas eu d'attaque. Je vais passer sur une autre sonorité. Je vais essayer. Je vais essayer un asturie. Comme je disais, je vais passer sur un asturie 110. Donc là c'est un coloris comme vous pouvez le voir, un peu plus, on va dire, mince, transparent. Mais une sonorité un peu différente, pas de pop en surface vu qu'il a une bouche très pointue. Donc là,
Ça se trouve, ça va être vraiment la vibration qu'ils vont vouloir. Oh bah direct. Et là, c'était pas vilain du tout. Encore. Ah, c'était clairement pas vilain. Les grosses plates en attaque. Les grosses plates en surface que j'ai. Il y a du monde derrière, mais ça veut pas prendre. Et je pense que c'est vraiment pas vilain. Il arrête pas de se louper. Poisson. Oh, c'est magnifique. Et là, j'ai eu des grosses attaques, à mon avis. Il devait y avoir un beau poisson derrière. Mais là, déjà, c'est pas mal du tout, je pense. Ça te sonde le fond et c'est assez lourd à l'attraction. Ouais, c'est pas mal du tout comme poisson, ça, je pense, les gars. C'est vraiment lourd. Vraiment bien lourd. Après, c'est peut-être piqué de travers. Ça se peut. Ça se peut, mais c'est peut-être joli aussi. Je pense que c'est piqué de travers. Ouais, c'est ça, c'est piqué sur le flanc. Ah, c'est pas énorme. Ah, il est piqué de travers, ok, pauvre. Tac. Et voilà, ça repart. Ah, nickel. Ah, je pensais que c'était vraiment gros, mais non, c'était bien piqué sur le flanc. Ça ne mettait pas de rush. Mais là, déjà, la scurie, premier passage, ça fait la différence. Je me suis pris plein d'attaques. Et honnêtement, il devait y avoir un beau 60 derrière, vu les bouillons que je me suis pris. On va voir si ça peut redéclencher des attaques. Mais ouais, vu les bouillons que je me suis pris, il devait y avoir un joli poisson derrière, je pense. Je vais tenter le pachinko, mais en coloris cette fois-ci. Ghost Lançon qui est un peu plus opaque, un peu plus blanc. Là, je vois que le soleil s'est couché sous les nuages. Enfin, il est caché derrière les nuages. Du coup, un coloris un peu plus blanc, ça peut peut-être... le coloris Lançon, il est vraiment... Ghost Lançon, il est vraiment clair en dessous. On va voir. Ça peut peut-être faire la diff. De toute manière, je me décalerai vers la droite pour voir s'il y a d'autres poissons, parce que là je pense que les poissons ils commencent à comprendre que il y a un truc qui passe au-dessus de leur tête depuis quelques minutes et que c'est pas trop du vrai poisson quoi. J'arrive pas en fait à trouver le truc qui font qu'ils loupent pas leurs attaques. Pourtant j'ai essayé pas mal de sticks. Oh là 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 là. En fait, j'ai l'impression que c'est dès que le leurre touche l'eau et dès que j'anime très rapidement, ils font des attaques réflexes parce qu'à mon avis, ils doivent venir voir le leurre à toute vitesse. Ils entendent un gros boum qui tombe dans l'eau. Ils vont voir et en même temps qu'ils vont voir, du coup, bah. Oh là là, ça c'est pas vilain du tout, ça encore. Ils arrivent pas à se piquer, c'est n'importe quoi. Poisson. Ah yes! Quel bonheur en surface. Puis c'est des jolis poissons, c'est pas des pins. Hein. Ça c'est un poisson qui est encore maillé. Bon, il est plus petit que les autres quand même. Mais ça fait des belles attaques. C'est splendide. Splendide. Et voilà. Tac, il est reparti. Nickel. Ouais, donc c'est pas des énormes poissons, mais ils me font des attaques assez spectaculaires. Mais tout à l'heure, par contre, je suis pris de ces bouillons derrière le leurre. Ça devait être au moins des poissons de 55-60 parce que pour que ça fasse une éclaboussure comme ça, c'est que ça doit être vraiment énorme. Et là, le pachinko 125 Ghost Lançon, il a l'air d'être déjà plus approprié à la situation. Là, j'ai trouvé à peu près la vitesse à laquelle il fallait ramener. Vitesse un peu moyenne, un peu lente quand même. C'est ça qui déclenchait des attaques, même encore loin. On va voir si ça peut faire bouger d'autres poissons. Du monde derrière et c'est pas vilain. Il y a du monde derrière et c'est pas vilain les gars. Oh poisson.
Ah, j'ai rien dit, c'est petit. Quel régal, sérieux. Oh, la surface, mais c'est une des plus belles pêches possibles. Surtout sur un lac comme ça, on voit vraiment tout ce qui se passe, quoi. On voit vraiment les réactions des poissons. Oh, c'est un régal. Ah, c'est vraiment, c'est un petit, je pense. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est, je suis sûr. Mais c'est un régal. C'est un régal, c'est un régal, c'est un régal. Ah, lui, le petit, vraiment. Petit haut. Doucement. Hop. Ouf. Allez, vas-y, mon gars. Oh là là. La vivacité. Bon, je vais mettre plutôt un pachinko 140 là. Parce que là, j'ai l'impression que je prends du petit. Et que tout à l'heure, au 140, je me prenais vraiment des grosses bastos. Si ça permet de trier un peu et de justement de faire monter un gros, parce que là les gros peut-être que le 125 ne les intéresse pas. Je vais y aller avec voilà le 140. On va voir ce que ça peut faire. Oh, alors lui, c'est un petit, hein. C'est un petit, hein, mais qu'est-ce qu'il est vénère. Bon, ça va, il est quand même correct. Oh la vache, il est venu me chercher juste au bord. Qu'est-ce qu'ils sont vivaces. Et voilà les gars, j'ai les petits poissons pris au pachinko 140 coloris 500G juste au bord dans la bordure. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Hop, c'est décroché juste au bord de la gueule. Très peu piqué, ça fait plaisir. Voilà, un beau petit poisson, beau petit bar de fin de saison qui va repartir grandir. Allez. Hop. Allez. Qu'est-ce que t'attends? Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon ça, les mecs. Il m'a attaqué juste au bord celui-là. Bon les gars, je vais réessayer l'asturie blanc. Ou l'asturie. Ouais, je vais mettre un asturie blanc parce que là il y a quand même un peu de nuages. Qui fait des vibrations bien plus discrètes que le pachinko, parce que là je vois le pachinko il fait un barouf en surface. Je me prends quelques attaques mais c'est vraiment pas franc. Et tout à l'heure sur l'asturie ça avait bien fonctionné. Bon là c'était pas le même coloris mais je me dis vu qu'il y a des nuages, le blanc peut-être marcher. De toute façon le blanc il est plus approuvé, c'est un excellent coloris. Du coup je vais essayer, après c'est un leurre plus petit qui va moins sélectionner mais en soi si j'ai la bonne vibration, mes mains gros pourra le prendre sans problème. Donc faut voir. Là, c'est beaucoup plus discret déjà.
Poisson. Oh, ça c'est pas violent ça. C'est pas violent du tout ça en fait. Non, il a lâché. Oh, oh non. Oh, il était pas vilain. Non. Je suis dégoûté. Putain, merde. Oh, il était pas vilain celui-là. Il devait pas faire 60 non plus, mais il devait bien ses 50-55. Ah, merde. Poisson. Ouais, c'est un petit. J'ai rien dit. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, oh, je suis maudit, c'est pas vrai. Je suis maudit, c'est un truc de malade. En fait, c'était pas vilain du tout. Mais il est venu m'aspirer juste au bord. Il voulait pas venir après. C'est clairement pas vilain. Oh, attaque. Poisson. Yes. Ah, voilà. Il revient en pleine balle vers moi. Il s'arrête pas. Il revient à fond. Et là. Petit poisson, mais bien vénère. C'est ça qu'on veut. Ouais, il est ultra vénère celui-ci. Hop, plouf. Voilà, magnifique. Mon petit poisson, je décroche les beaux et les petits, je les sors. J'aimerais bien l'inverse, mais bon. On va voir ça. En tout cas, c'est cool, ça fait du poisson en surface. Et voilà, c'est une fin de session les gars, j'aurais pêché pendant 2 heures environ. Et bah c'est cool, j'ai fait du poisson en surface, ça fait plaisir, c'était l'objectif. L'objectif c'était de faire du poisson tout simplement comme j'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai même pas eu besoin d'affiner la technique en buzzing finalement, la technique au stick a bien marché. Après il fallait varier les sticks, les sonorités, les couleurs. Mais ça prenait tout le temps du poisson, il n'y a pas eu de temps mort, il y a quand même eu du poisson assez régulièrement. Là vers la fin je commençais un peu à galérer de prendre du poisson. Parce que bah, comme vous pouvez le voir, le soleil monte beaucoup. La luminosité commence, enfin je veux dire ça commence à se tasser un peu, donc il n'y a vraiment pas de vent. Donc c'est vraiment compliqué là de prendre du poisson en pleine journée en surface. Mais sinon dès que je suis arrivé ce matin, j'en ai eu quelques-uns. Et ça fait plaisir. Le premier est le plus joli. Je serais peut-être arrivé plus tôt, j'aurais pu déclencher un des gros poissons qui m'a attaqué mais qui n'a pas pris, peut-être. Mais en tout cas, ça fait plaisir, il y a eu du poisson, c'est ce qu'on voulait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse avec l'outro, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.